Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Donc comme je vous ai promis en début de Ramadan, de vous poster plus souvent des petites vidéos de 8, 10, 15 minutes maximum. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Voilà, c'est des vidéos courtes qui vous permettent d'avoir plus de contenu. Et à moi, le fait que ce soit plus court que d'habitude, ça me permet de faire les montages plus vite. Donc là, on commence la journée par faire le linge, comme tout le temps. Il y a tellement de linge en ce moment. Vu que je lave les affaires des enfants, plus machine de serviettes, machine de draps de lit, plus les vêtements que je mets sur Vinted, etc. Bref, je suis tout le temps dans le linge. D'ailleurs, dans les travaux aussi. Là, sous l'angle dans lequel je suis, on ne voit pas, mais il y a des travaux qui ont été faits dans la salle de bain. Mais là, vous ne voyez pas trop, mais je vous montrerai. J'ai installé toutes les choses que j'ai reçues de Chine, etc. Et l'entrée aussi, j'ai trop hâte de vous la montrer. J'aime trop ce qu'on a fait. Bref, donc j'ai lancé une machine. Ensuite, j'ai plié la machine qui avait dans le sèche-linge. Désolée pour ma voix, j'ai attrapé une espèce de petite grippe. Ensuite, ma mission du jour, c'était de ranger mon bureau. Il était dans un état mais vraiment catastrophique. Et je devais absolument le vider parce que on va faire des modifications. Je vous ai tout filmé, mais bon, ce ne sera pas dans cette vidéo aussi. On va faire des modifications dans le salon du bas. Et dans le salon du bas, il y a le bureau de mon mari. Donc bref, vu qu'on devait le monter, je devais vraiment ranger, c'était catastrophique, il y en avait par terre, il y en avait sur le bureau, mais des montagnes. Hein. Donc je vous ai pas tout filmé, mais dans tous les cas, ça m'a pris un bon moment. Je suis désolée pour la couleur des images de cette vidéo. Je m'en suis rendu compte, mais en fait, je pense que c'était pas la couleur qu'il fallait que je règle. C'était plutôt le mode. J'ai dû appuyer sur, je sais pas. J'ai dû appuyer sur quelque chose sans faire exprès. Mais bref, je m'en suis rendu compte qu'à la fin, j'ai rempli tout un sac poubelle de ce que je voulais jeter dans cette petite pièce, s'il vous plaît. Et ensuite, je suis allée donc passer l'aspirateur pour être tranquille. Et vraiment, c'est une toute petite pièce et ça m'a pris littéralement plus d'une heure. Mais c'est pas grave, le principal c'est que ce soit fait. Franchement, je me fatigue pas à vouloir tout faire en une fois. Vraiment, en ce moment, je suis vraiment à fond dans toutes mes tâches. Mais vraiment, je fais une liste et un jour, une tâche. Comme ça me fatigue pas, mais je vois quand même l'avancée. Et à la fin de la journée, j'ai fait toute ma to-do list. A few moments later. Bon, on se retrouve un peu plus tard quand j'ai rangé mon bureau. C'était le matin, vraiment, il était dans un carnage, ça m'a pris une heure. Ensuite, j'ai enchaîné deux machines et je les ai pliées. Je les rangerai plus tard. Il est actuellement 17h30, ça fait 2 heures que je suis en atelier chez une cliente. Je viens de rentrer, j'ai un montage à faire et le repas du soir. Et je dois aller chercher les enfants dans 15 minutes. Donc, c'est parti. Du coup là j'ai fait rapidement ma pâte à pain, je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois, j'utilise tout le temps la même en ce moment. Farine complète, donc 300 g, 200 g de semoule fine, 300 g d'eau, 20 g de levure fraîche, pardon, 10 g de sel et c'est tout, et 20 g d'huile d'olive. Donc voilà, semoule comme ça. Et la farine, j'utilise la farine classique. Et je vais faire un tagine de veau vraiment basique. Donc oignons, pommes de terre, je pense que je vais mettre des haricots plats, peut-être un peu de poivron, je ne sais pas trop. Bref, ça va être en freestyle, ça sera hyper simple pour aujourd'hui. Là, je vais laisser ma pâte lever. Il est 17h30, j'ai 10 minutes pour lancer le tagine parce qu'après je dois emmener les enfants à la boxe jusqu'à 19h. Donc j'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit.
Et en même temps, je fais mon montage vidéo du jour et il faut absolument que je range ma cuisine, elle est dans un carnage pas possible. Donc je commence par découper mon oignon pour en lamelles pour le faire revenir. Je fais ça en speed parce que comme je vous ai dit, j'ai que quelques minutes. Après, je vais tout laisser à feu doux pour aller là où je dois aller. Donc là, j'épluche donc mon oignon en petites lamelles. Je le mets dans un filet d'huile d'olive. Je le fais revenir. Ensuite, je vais venir mettre du sel, du poivre. Je vais laisser revenir un petit peu. Je vais ajouter ma viande que j'aurai marinée. Je vais vous montrer tout ça après. Et je vais ajouter un petit fond d'eau. Voilà, je vais la faire revenir. Ensuite, je vais ajouter un petit fond d'eau et je vais recouvrir. Comme je vous ai dit, des fois on fait des petites recettes selon nos envies ou selon notre motivation, j'allais dire. Parfois c'est moi, parfois c'est mon mari. Mais vraiment, ça reste des recettes qui sont, on va dire, du quotidien, avec des ingrédients qu'on a forcément tous, voilà, de la viande, des légumes, dans le congélateur ou dans le frigo. Le pain, c'est vrai que je le fais quotidiennement, je pourrais faire plus de quantité et le congeler, mais franchement, avec le Thermomix, ça me facilite tellement que je peux le faire au jour le jour. C'est pas quelque chose qui me demande beaucoup d'efforts, vous voyez. Donc voilà, j'en fais 4 tous les jours, il en reste un petit peu pour le lendemain matin, etc. Et en ce qui concerne les plats, soit je regarde par rapport à ce que j'ai dans le congélateur ou dans le frigo et je fais avec. Pour vous dire, on n'est pas allé deux fois ni au marché ni à la boucherie et je n'ai pas fait les grosses courses comme je faisais avant du ramadan. Donc là, je ne tiens qu'avec ce que j'ai dans mon frigo et dans mon congélateur et dans mon garde-manger, etc. Et franchement, je trouve que je m'en sors super bien parce que je n'ai rien acheté et je me dis tant mieux parce qu'en fait je vide et en fait je me dis aussi surtout qu'on a tendance à consommer trop puisque j'avais assez de choses pour faire tout ce que je fais actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis en fait j'ai tout ce qu'il faut pour cuisiner sans devoir aller racheter. Donc bref, ça fait des économies aussi. Et aussi, j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps concernant le fait de voir, vous savez, la maison des influenceuses, que ce soit sur Instagram ou peu importe. En fait, c'était une fille qui me disait que ça la frustrait de voir qu'elle avait le temps de rien par rapport aux influenceuses qu'elle suivait et que toute la journée elle les regardait et que elles avaient une maison propre, rangée, les enfants tirés à quatre épingles, eu le temps de faire toutes les prières pour le ramadan, eu le temps de faire les repas, tout, bref. Et donc moi ce que je lui conseillais c'était déjà de ne pas culpabiliser parce que on a tout un coin déjà qui est noir. De bazar, c'est juste qu'en fait forcément hein, les gens ne vous partagent pas quand c'est le bazar. Pour vous motiver, on vous motive en vous montrant des vidéos rangement, organisation, ménage, cuisine, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est des maisons témoins et que c'est H24 propre ou rangé. Il suffit qu'on a fini la vidéo, que les enfants rentrent et qu'ils fassent un carnage. Bref, et aussi surtout je lui conseillais de suivre des comptes qui la motivent, bien sûr, qu'elle aime, mais surtout de se désabonner à partir du moment où ça crée une frustration chez vous, enfin chez elle, à partir du moment où elle se sent plus bien de regarder ce contenu-là, qu'elle commence à se culpabiliser ou limite à être énervée à force de regarder ça, de se désabonner. C'est mieux que d'envoyer des messages, des critiques, etc. ou même se sentir mal en regardant certaines personnes qui vont montrer, parfois ça peut être réel, mais souvent ça va être du fake, on va dire, parce que sur Instagram, on vous montre toujours que les bons côtés, parce que tout le monde sait que Instagram, c'est un petit peu la vie rêvée, et les gens regardent pour se divertir, donc les influenceurs ne vont pas vous montrer du négatif, même si dans la vraie vie, il y en a, hein. Mais je veux dire, les gens veulent sortir justement de leur vraie vie et veulent voir des choses positives, distrayantes, ou je sais pas trop comment on dit. Mais bref, vous m'avez compris. Dans tous les cas, ne culpabilisez pas. Je vous rassure qu'on est toutes dans le même bateau. Il n'y a pas de maison témoin. Surtout quand il y a des enfants dans la maison, c'est impossible. On a toutes, il suffit que, là, ma cuisine est en carnage d'un côté. Je filme de l'autre côté où c'est rangé et vous avez l'impression que c'est toute la maison qui est rangée. Mais non, n'oubliez pas que sur les réseaux, on ne vous montre que ce qu'on veut montrer, on ne vous dit que ce qu'on veut vous dire, et ça ne veut pas dire que ça résume toute la vie des gens. Voilà, c'était juste le petit
Disclaimer, le petit conseil du jour. Et surtout, surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé parce que le ménage, ça ne finira jamais. Et surtout, il vous attendra toujours. Donc, profitez de votre vie avec vos familles et prenez du temps pour vous. Voilà, c'est un message que j'avais reçu sur Insta, mais je voulais y répondre. Bon, on vient juste de rentrer de la boxe. Là, mon pain, il a bien gonflé. Je l'ai juste... j'ai juste fait les petits traits. Et pareil pour le tagine, il est quasi prêt. Je vais juste réduire un peu la sauce. Je vous rassure, j'ai réglé le problème de luminosité, de qualité d'image sur les autres vidéos. Enfin, j'espère que ça sera sur la prochaine. Bref, en tout cas, je mets un petit récipient d'eau pour faire de la vapeur dans le four et j'enfourne mon pain. Et le temps que ça cuit, je commence directement le ménage pour m'avancer un petit peu parce que franchement le ménage, le soir du Ramadan, la vaisselle c'est quelque chose, je sais pas vous, mais j'ai une vaisselle, un lave-vaisselle qui tourne le soir et un qui retourne directement le matin. Bon, on va passer à table, ça y est, tout est prêt, j'ai juste ajouté des petites olives. Voilà, c'est bien chaud, bien 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 chaud. Je vais découvrir, je vais enlever le haut pour... Et voilà le pain. Franchement, un bon pain maison. Regardez-moi ça. Pain complet maison et il y en a assez. Ensuite, je vais ranger toute la cuisine. Let's go, pour l'instant, tout le monde a faim. Je vous montre un petit peu le pain. Il est bien croustillant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. Franchement, il est hyper bon. J'ai goûté. Je vous ai partagé la recette, hein. C'est toujours la même recette que je fais.